Allez! Allez! Nishinoya! Et fils d'il fait le beau gosse. Voilà! Yo les Rox! Il a pas! Franchement, il nous a pas cru! Il nous a pas cru! Alors, nous deux, on était synchro, ah, hein! Ah, de ouf! Yo les Rox! On se retrouve pour l'épisode 9! Non, c'est un peu. 1, 2, 3. Yo les Rox! On se retrouve pour l'épisode 9 de IQ, qui est un meilleur manga que machin. Et du coup. Ouais, du coup, la fin du match Karasuno contre Dateko, qu'ils ont gagné sans même s'en rendre compte, du coup. Justement, et après, à la fin, on a discuté un petit peu de voilà, oui, c'est pas forcément le match qui était le plus important, c'est plus, c'était plus bah, justement l'évolution des gens après le match, de, après le tournoi qu'ils ont gagné. Et là, c'était vraiment un match amical. Et que là, maintenant, bah, on espère que le tournoi va commencer. J'ai vu dans les commentaires. Écoute-moi bien, je me suis fait spoil énervé, je crois. Mais, garde ça pour moi, la règle numéro 74 ou 74 pour les BG. Vous savez de quoi je parle quand on dit que c'est peut-être la dernière fois que. Il faut assumer ce spoil. Je vais pas en dire plus. Voilà, on va voir un petit peu ce que ça va donner. J'espère que ce sera le. J'espère que ce sera le tournoi, du coup, directement. Vachement motivé. Le tournoi. Je ne dérangeais pas. Du coup, ouais, je pense. T'es loin du tournoi, mon pote. Comment? Il va avoir une pause. Ils ont annoncé une pause pour le truc, pour la saison. Ouais. Du coup, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont peut-être commencer le lancement de tournoi, mais on va pas avoir de match. On va pas faire le tournoi là maintenant et la finale la prochaine saison. Ouais, la vérité, ouais. T'avais l'air vachement convaincu que le tournoi n'allait pas commencer avant quoi. Bon, allez, les gars, c'est parti pour l'épisode 9. Let's go. Action, réaction. Action! Sawardo. Action! Se réveille. On comprend pourquoi il est énervé des fois. Il avait écrit tournoi ou il n'y avait pas écrit tournoi? Sur le truc, sur le calendrier? Ouais. Là, je le reconnais plus. Ouais, ça a changé de dingue. Hein. C'est comme l'autre là aussi de l'équipe, celui avec les cheveux gris là. Suga, ouais. Who the fuck? Hein? C'est un rêve ou quoi? C'est un cauchemar? Ouais, c'est un cauchemar. Le pire cauchemar qu'il peut avoir hein, pour un fan de volley. Basket. Ah. On a appris dans Aero no Sora que c'était pas un problème. Ah, mais ce qui n'est pas réussi à dormir. T'es con, c'est une boucle temporelle, il faut savoir recommencer. Qu'est-ce que c'est? Ah, en plus, c'est le premier nouvel an. Ah, il a full que ça, la full la veille. Il a fait exquel. Mais c'est qui ce type? On dirait un de ces cancres comme ça abandonnés. C'est qui? Bien. Quel jeu dit? Je dis dans mon esprit. Thank you.
C'est tout loin. C'est vrai que les Japonais, je crois, chaque année, ils font une sorte de petite fête le matin, tu sais, pour se souhaiter une bonne année, où ils vont fêter, enfin, ils vont se donner des vœux, je crois. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, les dans les temples du coin là. Voilà, ils vont prier pour l'année à venir. Comment? Oh. Malheur. Qui se moque de lui? Vraiment, bonheur. Bonheur. Moi, je ne l'attache pas. Le malheur, je le jette. Je l'approche pas. Je retire une autre prédiction. Vraiment, il a demandé à ce qu'aucun mur ne le passe. Vous allez travailler comme des chiens. Kami-sama. Moi j'accepte. C'est après lui, la DS. Oh gros. Il n'y a plus d'oxygène, gros, dans la pièce. Il n'y a que du dioxyde de carbone. C'est Morel contre le... Du soufre. Le lion. Faut faire le Hinata Challenge, hein, les gars. T'as une balle? Non, j'ai pas avec. Ah bah, dommage. Oh, putain. C'est infect. Ça me dégoûte. On est tous. On est tous. Radioactif ce truc. Je te jure, ça. Il y a une signature dans l'air, gros. T'as changé la molécule de l'oxygène. Ok, ils font du badminton. Écoute. On est tous. On est tous. Radioactif ce truc. Je te jure, ça. Il y a une signature dans l'air, gros. T'as changé la molécule de l'oxygène. Ok, ils font du badminton. Moi, elle est 8h du mat, elle est bourrée à sa soeur. La veille. Elle vient de rentrer. Eh, mais ça, jour de repos, aller jouer avec un truc, c'est pas. C'est bien la sortie d'hiver et tout. 1er janvier. 8h du mat. Ah, bah, 8h du mat, je vais dormir seulement. Trop. On me promet dans une ville comme ça, genre. De bon matin, comme ça, l'hiver. Avec les montagnes en fond. Ok, Diogo, j'ai une surprise par contre. On va au Japon. Juste pas Corona. T'imagines le prix des... Imagine le prix des tickets maintenant, ils sont à 100 balles. C'est maintenant qu'il faut y aller. On y va demain. Tu tapes maladie au taf. On va le 11. Je ferai jamais ça. Je prends. Tu te mets maladie, Diego. Ah, je prends congé. Petit zigueur. Un petit zigueur. Le paplard. Un petit. Une petite semaine. Un petit Jean-Pierre Zigueur.
meilleur médecin toute région bruxelloise. Sur tous les depuis le début de l'épisode, gros, voilà, Friday départ. Je reconnais pas ça au moins. Voilà, vendredi, c'est à dire le nouveau jour maintenant, c'est le départ, et samedi, il y a tournoi. Donc là, normalement, ils sont censés partir avec des affaires, etc. C'est tournoi qui commence alors, ou alors parce que le titre de l'épisode s'appelle La dernière soirée, un truc comme ça, tu vois. Oh. Il se calme direct. Ah, ils arrivent dans une grande ville là maintenant. Ils sont à Tokyo. Ah, c'est des campagnards. Hein. C'est des wallons. Hein. Alors que c'est vraiment un Formule 1. Hein. Ouais, c'est une F1, vraiment. Ah, voilà. Ouh, la pression ou pas, la grosse pression qui a été mise très très vite hein, de la part de la présence est suffisante, vraiment le regard. Allez, ils ont une salle du coup. Ils ont une salle à l'hôtel ou c'est dans l'hôtel? Je pense que c'est là où ils vont faire les tournois. Ou un truc tout près. Bien sûr, hein, tout le monde, même nous on a la pression. Ouais. Tournoi national. C'est presque une grande première, hein, un tournoi national dans les mangas. Ouais, souvent. Le manga il se termine par le tournoi national, genre. Un best-of, il a fait un best-of. Allez, oh, ça doit être stylé à fond. Est-ce qu'on aura des passages de la des premières saisons, mais avec la nouvelle animation ou avec l'ancienne? Bah, avec l'ancienne. Ouais, c'est la nouvelle animation, non? Non, c'est l'ancienne. S'est passé en saison 3. Sûr. Oh, ouais. On connaît beaucoup mieux les personnes. Ah, ouais. Ils ont mis un filtre par-dessus. La divinité protectrice de Karasuno. T'as bien raison. J'accepte. Nishinoya. Puis, dans tous les mangas, maintenant, ils font des vidéos pour percer. C'est mis sur YouTube. Hein. Plus de like, Gento. Vraiment foutre la merde. Toute cette équipe. Hein. Faut foutre la merde. Il va aller se boire une petite bière en scred. Ils sont débordants d'énergie. Déjà. Sinon quoi? Le désert de Tokyo, on se perd. Oh, vélo. Vélo. Ah, je crois qu'elle lui a prêté le vélo. Oh, baby sister. On va avoir les lunettes blanches ou pas? Ah, les menaces. La dernière fois, ils ont couru sans regarder, ils sont perdus et ils sont trouvés à Shiratorizawa. Ouais, c'est pas dégueu que ça. T'as bien raison.
un petit let's play là. Vraiment. Dark Souls. Yo tout le monde, c'est Diablo X9. Oh. Il regarde sa partie. Il fait comeback, comeback, comeback. Ah, vraiment, ils doivent être en tilt. Hein. Même pour elle, Galex, c'est stressant. Small talk. Elle a posé une question et puis elle a fait ah, elle se barre. C'est comme quand elle avait pris l'entraîneur au début pour un délinquant. Ah, allez, donc elle a des cicatrices au bras, au yep, aux jambes. T'apprends au fond d'avant comme ça. Ouais, aussi détendue, aussi ouverte. Ouais, elle parle beaucoup d'elle. Et ça arrivait jamais. Ah, elle est contente d'avoir quelqu'un du coup. Ouais, bah ouais. C'est normal, les autres c'est que des animaux, tu vois. Enfin, tu peux pas parler de trucs de meuf entre avec des binadem, tu vois, avec des types. Il faut que ça soit avec une autre meuf, non, tu vois. Non, ouais. Quoi? Non, je pense qu'on avait vu un cul. On va déterminer. Elle aussi maintenant elle commence à avoir des petits discours de puissance là comme ça. Et une fois que t'as Karasumo, ça vient tout seul. Vous voyez? Elle, plus de background que Gentle Criminel, c'est fou ça. T'as une haine envers ce personnage. Moi c'est dingue. Et ça c'est parce que vous me l'avez hypé et il y a R. J'ai pu faire bondir. Wow. Le soleil m'a aveuglé là. Ouais, je sais pas vraiment. Quoi. Je sais pas, je m'attendais à la fin d'épisode. Rentrer la guitare. Faut quand même que le tournoi commence. Oh, c'est prêt à crier le vuvuzela. Je sais pas si t'as vu, il y avait une caisse avec des vuvuzela à l'intérieur. Ouh, il y a que des grosses têtes, je crois. Non? Ah non, c'est l'Aïla ça. Ouais, c'est l'Aïla. Oh, il n'y a pas que d'Aïla. Il y a aussi des types de 40 ans. Quoi ça, Yoyogi? C'est une autre équipe, je crois. Oh, non! Allez! Allez! Nishinoya, allez. Nishinoya! Fils de, il fait le beau gosse! Voilà! Ah, déception! Ah, il la tège. Ah, il va se dabaisse. Non? Bon, t'as un Akia. Il va se mettre bien là. Ouais, c'est ça que je me disais. Je me disais bien que c'était bizarre qu'ils discutent normalement. Ouais, parce qu'à l'époque, c'était un petit, tu vois, ils s'en battaient les couilles. Ryu-chan, hein. Vraiment, ah bon, elle a appelé Ryu-chan. J'espère que t'as un qui va se mettre bien. Love, quoi. C'est quoi ces oreilles qui lui ont dessiné de long? C'est abominable.
Vraiment, il est dans le coin. Hey, hey, hey! Beau couteau. Ok, il a pris des épaules lui aussi. Nouveau style. C'est vrai que c'est pas le logo du studio ce qu'ils ont sur leur maillot. Le truc avec le pied. ICS. C'est possible. Ouais. Ou alors c'est peut-être c'est pas la foot, c'est pas la ligue du volley là-bas. Ouais, peut-être. Un truc comme ça. Genre imagine. Ah là. Ah là. Coma. Ah là. On va pouvoir voir la guerre putain. Des poubelles gros. Oh putain. On n'aurait pas dû regarder cet épisode. Ben ouais. Vous. Putain, j'ai cru. C'est l'OST. Si, c'est l'OST, hein. C'est l'OST, c'est l'opening. Ouais. Putain, tu sais que j'ai cru que c'était du Dragon Ball. Ah ouais, sur le thème. C'est un truc de fou, on aurait dit. Oh shit! L'équipe masculine de Karasuno. Ah, il est fier! Et lui, il est fatigué. Elle a grandi, on dirait. Putain, on dirait trop du Dragon Ball, c'est fou. Oh, il y a masse équipe. Mais il y a féminin et masculin. Let's go! Ah, ça va commencer tout en top. Oh, putain de merde! Mais quel manga! Quel manga! On attend la suite avec impatience. Quel manga! C'était plutôt doux cet épisode. Ouais. C'est comme l'épisode précédent, j'ai eu le smile. Ouais, c'est ça, t'as le smile. Toi, t'as le smile en regardant l'épisode, tu vois. C'est grave, c'est grave. Franchement, tu t'en lasses pas. Il n'y a pas un seul épisode que j'ai détesté dans ce manga. Sur toutes les saisons confondues. Pas un seul épisode. C'est vrai, ça. Il n'y a pas eu d'épisode. T'en as peut-être un en tête, là. Non, franchement, non. C'est franchement, grave. Non. Non, c'était pour chaque épisode, il y a eu quelque chose. Chaque épisode, il y a eu une info, il y a eu quelque chose qui nous soutenait à regarder l'épisode à chaque fois, etc. C'est un manga qui. Toi, tu trouvais pas vraiment ouf l'épisode en soi sur les. Certains épisodes, tu les trouvais pas ouf? Si. Non, mais si, certains épisodes, toi, il n'y avait pas vraiment des actions de fou ou alors de match, tout ça, mais. Genre il te présente un background, par exemple comme avec Tsukishima. Tu vois, genre un peu son histoire, comment ça s'est passé et tout ça, tu vois. C'était pas mal aussi, tu vois. Ça c'était pas mal. Franchement. Non, putain d'épisode, franchement putain d'épisode. Ils sont très très forts. On a hâte de voir la suite. J'espère qu'ils vont pas nous chauffer avec 3 épisodes. Et puis après vous dire, à dans 6 mois de l'année, à dans un an. Et imagine, ils font pas de pause ralfeuse. Ils font pas de pause, ce serait fait. Ouf. Mais c'est rare maintenant les animés qui font 25 épisodes de suite sans pause. À voir. En tous les cas, on espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, partager, bien sûr. Nous suivre sur le Twitter, juste ici, Instagram, ici en bas, Discord et YouTube dans la description. Et nous, on se dit à la prochaine, du coup. Ciao. Tchuss.